Yup tout le monde, c'est Kéros. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème et dernier épisode de la série Construire le Titanic sur Minecraft. Donc ça va être très simple et ça va vite être réglé. Donc ça va être pas trop long, mais ça va être comme d'habitude, on va dire. Donc là on prend tout de suite des planches en chaîne. Et puis on va commencer sans plus attendre parce que là on est quasiment à la fin. Donc on tient le bon bout. Donc là ça va être très simple, on va prendre de la potion de rapidité pour aller plus vite. Voilà, parfait. Et on va poser les planches de chaîne sur deux de long. Donc première rangée et la deuxième rangée. Et là. Voilà, parfait. Donc là on va commencer ici, tac. Donc là on va faire les bâtiments du niveau inférieur, vous voyez où je suis. Donc là c'est ce qu'on avait fait dans l'épisode 6, donc là on passe en dessous. Et on fait les bâtiments ici, donc c'est assez simple, hein. On va pas se faire chier, de toute façon, ça va aller très vite, regardez. Donc maintenant que vous avez fait ça, donc vous alignez par rapport au mur qu'on avait fait en dessous. Voilà. Ensuite, vous allez jusqu'à 10, on va dire, allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Vous refaites pareil de l'autre côté puisque tout est symétrique, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Et puis maintenant, on va poser les planches de chaîne comme ceci. On va faire un petit virage comme ça. Et puis on va les poser jusqu'à l'autre bout du bateau. Donc avant, on va aller jeter un petit coup d'œil pour faire le bâtiment. Histoire que l'on ne mette pas du plancher partout alors qu'il n'y en avait pas besoin. Donc là, le bâtiment, par contre, le bâtiment, il est ouvert. Donc là, on va faire un truc un peu plus beau que de l'autre côté, j'ai envie de vous dire. Donc là on va faire par exemple comme ceci. Hop. Donc là droit 4, 5. Voilà, on va jusqu'à 5. On se réaligne à l'autre pilier. 2, 3, 4, 5. Parfait. Un petit truc comme ça. Hop. Un petit truc comme ça. Hop. Et puis on s'aligne comme ça. Et puis là par contre, donc on va faire pour que ça soit aligné à ce qu'on a commencé de l'autre côté. Donc là, à savoir que l'on revient à l'intérieur comme ceci. Hop, voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on va aller jusqu'à de l'autre côté pour trouver tout simplement où s'arrêter de l'autre côté. Tout simplement, hein. Ensuite on va poser le parquet et puis ça sera terminé. On va passer aux cheminées, les hublots et ça sera terminé, hein, donc ça va aller assez vite. Là je vais accélérer une fois que je saurai ce que je fais. Donc ok, parfait. Donc là donc on va se mettre comme ça, voilà. Donc là on va compter jusqu'à 10. Donc vous voyez, on se décale d'un bloc comme on avait fait de l'autre côté. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, on détruit les autres blocs. Et pareil de l'autre côté, donc vous voyez qu'on déborde d'un carré à gauche du pilier. Donc là on va se mettre un carré à droite du pilier, hop. Et on compte jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Hop, on tourne au 10ème bloc, important. Et puis on va jusqu'à de l'autre côté, on va faire rejoindre les parois. Ensuite on va remplir jusqu'au plafond. Donc ça je ferai en accéléré et ensuite une fois qu'on aura fini de faire jusqu'au plafond là, eh bien on mettra les hublots aussi, les hublots. Et puis après ça sera à faire classer. Donc, vous voyez là on monte jusqu'au plafond et on fait tout le bâtiment comme ça. Et puis c'est parti. Parfait, donc là on redescend, tac, on sort. Donc là sur le devant, donc on va faire des petits trucs comme ceci, hop. Un de chaque côté de celles qui sont mieux. Voilà, après on en fait deux de chaque côté, je pense. Voilà, ok, c'est bien là. Ensuite, là on va faire une petite porte en plein milieu, hop.
ici, faut mettre du plancher sinon on va passer à travers. Tant pis hein, parce que ça fait chier de tout remplir là. Mais c'est pas grave. Les portes. Où sont-elles les portes? Ma merde, j'ai perdu les portes. Elles sont là, elles sont là. Hop, vous mettez les portes qui vous convient. Et puis là, on va faire le plancher jusqu'à de l'autre côté. Et puis, bien entendu, vous mettez une porte de l'autre côté en parallèlement. Je sais pas comment ça se dit. Donc, tout est parallèle, hein, bien entendu. Donc, vous mettez une porte de l'autre côté où c'est qu'on vient d'en mettre une. Et puis ensuite on fera les hublots de ce deuxième étage, donc ouais c'est le deuxième étage. Et puis après donc on fera les cheminées, talala, talala. Donc remplissez déjà le parquet des deux côtés. On va faire les hublots une fois que j'aurai fini le la timelapse quoi, en gros quand je vais accélérer. Et ensuite quand on aura fini ça, on passera au dessus du bateau. Voilà, parfait, on a rempli le parquet, tout est bon, tout est rose, tout est beau, là, 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 là. Donc comme je vous disais, n'oubliez pas de mettre la porte, voilà, parfait. Et maintenant on va faire les hublots, donc 1 sur 2, on fait un trou tout simplement et après on mettra du verre dedans. Et puis donc bah ça fera des hublots, hein, tout simplement. Nickel, on a terminé de faire les hublots. Donc maintenant on va mettre une porte pareil que de l'autre côté. Hop. Voilà, mais ici une de l'autre. Oula, j'avais pas rempli ce mur là, j'avais pas vu. Donc on va mettre la porte avant. Une là donc. Parfait. On remplit vite fait. Donc là on va faire comme ça en faisant une petite fenêtre, hein, faire un petit peu de déco. Là, pas besoin. Donc là au milieu ça sera l'ouverture de la porte, comme ça. Là il y aura la porte. Pareil de l'autre côté donc, nickel. Et puis donc là on a dit qu'on faisait une petite fenêtre, donc on va la faire maintenant. Hop. Voilà un truc, j'essaie de faire un truc assez sympa. Donc là ensuite donc on remplit tout simplement. Hop. Et on pose les portes. Tac, 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 tac. Nickel. Là, on est bien. Là, on est bien. Maintenant, ce que vous ferez, vous éclairerez le bateau comme vous voulez pour qu'il soit de la nuit. Parce que moi, je peux pas le faire, étant donné que... Enfin, je vois pas l'utilité de le faire. Puisque, de toute façon, je suis en jour tout le temps. Donc, tout simplement pour ça. Donc on a fini ce deuxième étage, donc voilà, donc là on voit un petit peu, non, ouais. Pour vous ça avance pas trop, mais pour moi ça a beaucoup avancé là en faisant ce truc. Enfin bref, c'est pas grave, blablabla. Donc là on va faire un deuxième bateau au-dessus, donc hop hop, je me rappelle plus comment on avait fait. Donc écoutez, on va faire comme ceci, hop, on s'en fout, on fait un petit bateau tranquille comme ça. Donc je sais pas si vous en rappelez hein, du précédent épisode pour les bateaux. Moi en tout cas je m'en rappelle. Donc comme ceci, tac, et puis on referme. Tout simplement, nickel.
On fait le même derrière, parce que vous savez que dans le film il y avait, en fait j'y repensais, je sais plus quand. Dans le film il y a bel et bien le bateau qui est au-dessus à un moment, et même qui tombe sur des gens, et qui les font glisser avec les pagaies en les mettant à 45 degrés. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle, j'ai l'impression de parler chinois. Mais j'ai bien remémoré cette scène, et c'est vrai que... ça fera pluraliste, voilà, donc on pose ça comme ça pour en guise de cale. Et puis maintenant, bien écoutez, on va passer aux cheminées. Donc pour les cheminées, on a besoin que de laine jaune et de laine rouge. Très simple, hein. Avant, on va faire une dernière petite ouverture. Donc on va la faire depuis là. On va la faire dans le coin ici. Tac, comme ça. Et de 6, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6. Et après, ça vous fera des escaliers pour aller en dessous. Donc, à vous de les faire, tout simplement. Ensuite, je vous dis tout le temps de faire vous-même, puisque moi, en architecture d'intérieur, je suis pas super. Donc, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, c'est mieux que vous. Ouais, c'est mieux que ça soit vous qui le faites que moi. Donc je préfère faire comme ça, au moins ça vous va. Au moins ça vous va. Donc là, attendez, 2, 3 du bord. Donc là. Tac. Donc là, à 9 du bord, il me semble. Alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac. Logiquement, on doit être à 3 du bord là. Donc. 1, 2, 3, donc ça doit s'arrêter là. Donc là, on doit commencer ici. Donc, comment on va s'y prendre? Alors là, par contre, je suis perdu. Je sais pas si c'est bien aligné par rapport au milieu, donc c'est pour ça. Donc on va essayer de faire par rapport au milieu ici. Donc 1, 2, 3, tac. Et puis tac. Voilà. Ok, donc c'est nickel là. Venez voir, c'est... Ok, bon, bah c'était centré. Donc vous voyez, vous centrez. Donc 3 de chaque côté, 3 ici et 3 à gauche. Et à 9 du bord. Et ensuite, vous allez faire une tour de 16 de jaune. Comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc une fois que vous avez fait la tour de 16, vous la faites partout. Voilà la tour de 16 de jaune, donc que je vous disais, hein, je parle un peu chinois, j'ai l'impression. Donc maintenant vous allez faire une tour de 5 de noir, tout simplement. Donc voilà le premier palier, et vous faites sur 5. Voilà la première cheminée. Donc maintenant vous savez à quoi vous attendre, donc on va en faire d'autres. Il y en reste 3, donc je vous rappelle, 16 blocs de haut en jaune et 5 blocs de haut en... 6 blocs de haut en noir. Donc 6 blocs, 5... j'ai peur que ça fasse trop 6. Écoutez, on va laisser à 5. Moi ça me va, au moins je sais à quoi m'attendre. Donc on laisse à 5 blocs de noir. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, on retourne de l'autre côté, on se met à 9 du bord encore une fois, donc on se centre, voilà, on est au centre, il me semble. Hein. Donc là, on va à 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On pose au dixième. On fait notre petit chantier, voir si on est centré ou pas. Hop. Nickel, donc là combien de blocs? On en est à 5 et de l'autre côté on en est à 5, parfait. 16 blocs de jaune et 5 blocs de noir, et puis voilà. Thank you.
Voilà la deuxième cheminée, donc. Ensuite, donc là, on va aller sur le petit bâtiment ici. Donc, on s'aligne par rapport au milieu de l'autre cheminée. Et on se met à deux du bord, comme ceci. On fait notre petit chantier, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, voir si on est bien. Donc là, logiquement, on ne sera pas bien, puisque j'ai tout retouché. Voilà, c'est exactement ce que je m'attendais, deux d'un côté et trois de l'autre. Mais vous inquiétez pas, vous êtes bien centré. Donc ne déplacez surtout pas votre cheminée, car on avait déplacé exprès les bâtiments pour casser un petit peu justement ce rythme de parallélisme. Du coup, c'est pour ça. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc 16 jaunes, 2, 3, 4, 5 et 5 noirs, parfait. Et on fait la troisième cheminée. C'est parti. Voilà, troisième cheminée terminée. Et on va passer à la quatrième. Donc là, on va se mettre carrément dans la petite cour là qu'on avait fait. Donc on va se mettre à deux de la cour en bois. Donc on va se mettre comme ça. Donc attendez, on s'aligne. Hop. Vous visez, on redescend. Donc ça nous donne ici. Alors à deux, donc comme ça. Tac, 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 tac. On fait notre base de cheminée. Oups, hop. Voilà, donc ce qui me paraît plutôt bien. 16 blocs de haut, toujours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et 5 blocs de noir, parfait. Et puis on fait la cheminée, 16 blocs de jaune et 5 blocs de noir. Et puis on aura terminé cette quatrième cheminée. Donc on a fini la quatrième cheminée, maintenant on va passer par contre là du coup. Ok, donc là je viens de me rendre compte qu'on a fait une petite erreur, donc normal. Donc vous voyez que là le bâtiment est à 3 de haut et celui-là il est qu'à 1 de haut. Donc regardez, du coup ça décale un peu tout. Donc, normalement on aurait deux blocs en plus de l'autre côté. Voilà, c'est exactement ce que je m'attendais. Donc là, on en remet deux. Alors, je viens de m'en rendre compte, c'est pour ça, hein. On remet deux de haut et on enlèvera deux de noir en bas. Et on mettra deux de jaune. Pour compenser, tout simplement. De toute façon, ça se verra même pas. Voilà. Donc là, on pète tout. Tac. Et puis donc on va remettre du jaune et après on va faire les fils qui passent au-dessus des cheminées. Donc ça fait un peu plus réaliste je trouve moi. Donc c'est pour ça qu'on va les faire. Donc attendez, je termine cette dernière petite cheminée. Puis voilà. Tac. Hop, hop, hop. Ça m'énerve des fois parce que j'en mets partout. Voilà, parfait. Et maintenant, on va faire les cheminées. Donc là, vous allez prendre des blocs. Des blocs de bois de chêne et des blocs de toile d'araignée. Tac. Parfait. Donc là, on va se mettre à un au-dessus. Donc, nickel. Donc là, vous vous mettez debout. Et vous allez au bloc en face de you. De vous. Donc 2, 3, 4, 5. Parfait. On remet un bloc pas. Ah merde, c'est pas les mêmes blocs. Donc ça c'était les blocs de bois d'épicéa, il me semble. Parfait. Donc on va garder les blocs de bois d'épicéa, bien entendu. Donc là, bah du coup, on va devoir faire tac. Voilà, vous mettez trois blocs dessous pour faire comme ceci.
On va aller de l'autre côté faire pareil. Et puis ensuite on va tendre la corde tout au long. Donc là on s'est mis debout sur la cheminée. On va en face sur le poteau. Voilà, on avait fait les deux à la même hauteur logiquement. 2, 3, 4, 5. Parfait. Un au-dessus. Vous pourrez mettre une petite torche, ça sera vachement sympa. Hop. Pareil que de l'autre côté, hein. Donc on doit mettre des blocs en dessous pour qu'il boit des pissés et se pose droit. Voilà, maintenant on va prendre de la potion de rapidité. Et on va courir jusqu'à l'autre côté pour tendre la toile. Et ce, sur les trois blocs de long. De large. Voilà, super, on a terminé le câble. Donc regardez un petit peu la gueule qu'a le Titanic. Il est magnifique, mais il nous manque... Attendez, que je regarde vite fait mes plans. Non, j'ai rien dit. Mais il nous manque nos hublots. Donc une fois qu'il aura les hublots, ça sera parfait. Bon, ça va être chiant à faire, j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc là, vous prenez un bloc sur deux et vous cassez. Donc ici, 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 ici. Voilà. Il n'y a que ça à faire, mais on va simplifier la tâche. Donc là, on va reboucher tout ça. J'ai rien dit. Hein. Donc le mieux, ça serait qu'on commence ici. 2 de haut, ici, 2 de haut, ici, 2 de haut. Clac. Donc là, ça nous en fait 3. Donc il y a un petit problème encore. Parce que sur mes plans, j'avais pas compté comme ça. Attendez, je regarde vite fait sur mon logiciel. Ok, 2 de haut et 3 de haut. Ok, donc là on va remodifier, hein, parce que là on va jamais s'en sortir et ça sera moche s'il y en a trop du coup. Donc voilà, vous faites comme ça. Donc à 1 du rouge, 3 d'espace, 3 d'espace et 2 d'espace du jaune. Voilà, et là bah, tous les deux et clac et clac et clac et clac. Ça va être long, mais là je vais pas faire d'accélérer, je vais carrément couper. Et puis comme ça je reviendrai, enfin je remettrai, parce que là sinon l'accéléré va durer 5 minutes. Voilà, on a terminé les hublots de la coque, et maintenant nous allons passer aux hublots du bâtiment. Donc ça va être très très simple de toute façon. Donc là déjà pour les premiers hublots, on va partir de l'avant du bateau. Donc on part sur la ligne jaune. On part de ici en dessous du pilier. Par contre de l'autre côté je ne sais pas où je dois m'arrêter. Donc je vais aller regarder sur mes plans où c'est que je dois m'arrêter. Alors où c'est que je dois m'arrêter? Ouais, ok. Donc on va s'arrêter où? On va s'arrêter... Ouais, non, bah non, faut que je compte. Ouais, vous vous arrêtez... vous enlevez un hublot du maximum que vous pouvez faire. Parce que sinon, ça va faire moche. Donc vous vous arrêterez juste avant les escaliers. Donc en gros... Oula, qu'est-ce que je fais? Donc en gros, si vous pouvez mettre un hublot ici, bah vous l'enlevez et vous le laissez ici, par exemple. Parce que sinon ça va faire moche et vaut mieux faire comme cela. Donc on remplit et on fait pareil de l'autre côté bien entendu. Et puis voilà.
Voilà, donc on a terminé les hublots de chaque côté. Donc attendez, on va aller à l'arrière et on va faire des hublots. On va faire que des hublots de toute façon, mais là on a quasiment fini les hublots. Là, je suis vraiment très content, quoi, putain! Non, sérieux, là on a presque fini les hublots. Il nous reste allez, deux rangées, donc une rangée de chaque côté, et après il reste vraiment pas grand-chose. Non, vraiment, 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 on a presque fini le Titanic. On tient le bon bout, on tient le bambou, hein! Donc là, on se met à deux du bord, on se met ici, parfait, parfait, parfait. Et puis on va aller de l'autre côté, mais je ne sais pas où m'arrêter encore. Ça m'énerve de regarder mes plans là. En plus, j'ai la flemme et ça me fait chier de regarder. Je suis un gros flemmard là, j'ai pas envie du tout. Alors où c'est que je vais m'arrêter? Ok, donc on va s'arrêter là. Donc on va aller de l'autre côté. Donc vous arrêterez à deux blocs avant. Donc ici, et logiquement ça correspond à en dessous, voilà, vous arrêtez comme ça. Donc on va partir de là maintenant qu'on est là, et vous faites pareil de l'autre côté, donc vous arrêtez bien à deux de la fenêtre. Et de toute façon ça doit être au même niveau que les fenêtres qui sont à la fenêtre, qui sont sur la ligne jaune, tout simplement. Donc on a terminé la dernière grosse rangée, maintenant elle est toute simple. Donc regardez, on va partir de là, on va rester ensemble puisque c'est la dernière rangée. Donc je suis très très heureux franchement d'avoir fait cette série avec vous et qu'elle marche quand même un petit peu quoi pour le moment. Donc c'est le début, de toute façon avec le temps il va y avoir beaucoup de vues, enfin je l'espère. Donc voilà, là c'est la dernière rangée, vous avez juste ça à faire, vous mettez les carreaux. Et puis c'est terminé, enfin les verres quoi. C'est le patio de chez moi, les carreaux. Voilà, donc vous faites ça pareil de l'autre côté. Et franchement, votre Titanic sera be ready. Hop. Donc tac. Donc. Qu'est-ce que je branle là? Alors là, je suis perdu, tac. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Franchement, ça serait super sympa si le Titanic vous plaît. Ça serait super sympa de partager la vidéo ou d'en parler à vos amis. Étant donné que bah, vous en êtes satisfait. Et puis n'hésitez pas à demander en commentaire si vous avez des petits doutes ou autres. N'hésitez pas à demander ou en message privé même. Hein, sur Skype, sur n'importe quoi, je suis toujours dispo. Et puis voilà, donc ça me fera plaisir de vous aider aussi. Donc là on va se retourner voir ce que ça donne de loin. Donc voilà, votre Titanic est terminé. Donc j'espère que cette série vous aura plu. En attendant, moi je suis très content, hein. Franchement, je suis vraiment très content d'avoir fait cette série avec vous, comme je vous le dis. Et puis bah, j'espère que ça vous aura bien aidé, quoi. Et puis, bah, de toute façon, je suis toujours à l'écoute si vous avez des questions. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, de liker cette vidéo et partager un max. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde. Steak et rose. Et c'est terminé pour ce Titanic!